Péage gratos, bordel. Allez, mais je veux payer. Là, les gens derrière vont gueuler vraiment. Ça doit faire 4 minutes ou 3 minutes que je suis arrêté. Bonjour, je suis en moto et Où est-ce le dialogue de sourds? Des croix et blancs. Très bien. Avec l'argent des abonnés. Hop. Oh, il est là, mon gars. Eh ben t'as qu'à faire comme ça, mon gars. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, d'ailleurs, vous avez vu que je me suis pas arrêté. Raison toute simple, c'est qu'il y avait déjà assez de personnes autour de l'accident. Je vois que ça remplissait les constats. Donc ça sert à rien d'avoir une personne supplémentaire là-dedans. Le gars, il écoute la radio, quoi. Vous écoutez France Info, il est 8h30. Eh ben, c'est du joli, tiens. Juste à proximité d'une école. Tout ça pour gagner. Allez, 30 mètres. Oh! Merci. Oh fuck. Il est magique, lui. Ouah ! Qu'est-ce que tu branles ? Lui, il a pas fait son caca au matin, et voilà ce que ça donne. Putain, une vieille Porsche, quoi. J'ai jamais vu ce modèle de Porsche. Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, vous voulez une petite accélération? Voilà. Alors, regardez, quand on arrive sur les feux rouges ici, on fait un appel de phare, et hop, ça passe vert. Ça, c'est bon. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tiercé Magazine. C'était chaud là. Ou c'était chaud. Ou le risque que j'ai pris pour rien. Ça pour y aller de 10 mètres, quoi.
Là, ils m'ont surpris, quoi. J'arrivais un petit peu vite dans le rond-point, j'ai cru que j'allais y passer, là, cette fois-ci. Clac, je fais juste une petite coupure concernant le montage. Vous venez de voir que je viens de passer sur un contrôle routier et que j'ai le coyote allumé sur le guidon. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de contrôle routier déclaré. Et vous voyez que je n'ai pas déclaré moi-même le contrôle. Donc je vous invite à ceux qui roulent avec Coyote de ne pas les déclarer quand c'est des contrôles statiques pour vérifier les permis, pour vérifier les alcoolémies. Parce que nous, en déclarant les contrôles dans les ronds-points, certains font demi-tour parce qu'ils ne sont pas en règle. Certains font demi-tour parce que ça se trouve, ils ont enlevé quelqu'un. Certains font demi-tour parce qu'ils ont cambriolé une maison et qu'ils sont recherchés actuellement. Donc je vous invite vraiment à ne pas déclarer les forces de l'ordre dans les ronds-points. Ces gens. On bat les couilles. Hein. Coco. T'en attends pas. Ouais, c'est sympa tes vidéos. Bah merci, c'est gentil. On vient à des balades, mais ça tombe jamais quand il faut. Ouais. Ah, on va essayer d'organiser les dimanches. Ouais. Allez, on va faire plaisir à un abonné. Alors c'est quelqu'un qui est pas de Lyon du tout, qui m'avait déjà sollicité savoir si j'étais dans le coin pour venir le voir. Je sors du boulot, il est à Dardy, je bosse à côté. Lui donner un petit sticker, parler 5 minutes avec lui, je pense qu'il sera content. Ah mais comme c'est abusé de klaxonner pour passer quoi. Franchement, je trouve ça trop abusé. Les gens sont pas obligés de te laisser passer. Puis si tu peux pas passer, bah tu klaxonnes pas quoi. Ou c'est comme ceux là qui s'amusent à faire du rupteur là. Pour dire eh oh, je suis là. La peur. La peur de perdre son permis. La peur. N'empêche, je suis bien content parce que la vidéo que j'ai effectuée sur le radar chantier a été partagée à peu près 1500 fois, je crois, sur Facebook. Donc merci à tous pour le partage. Lui, il a bien dû se faire baiser. Bon, il sera pas au retrait de permis, je pense pas, il roulait pas si vite que ça, mais... Mais l'amende va être salée. Et ouais, ici les automobilistes ont une bonne éducation, ils laissent passer. Alors normalement, même là, on va me laisser passer. Voilà.